Star Academy. La date de la prochaine saison enfin dévoilée. Après une longue attente des aficionados de l'émission, Pure Media vient de révéler la date officielle du retour de la Star Academy. À vos agendas. Le retour de la Star Academy sur TF1 l'année dernière fut un tel succès que la première chaîne a décidé de lancer une nouvelle saison, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Pendant 6 semaines, les aficionados du télécrochet musical ont vibré au rythme des aventures de Chris, Léa, Stanislas, Enola, Louis ou encore Anisha, la grande gagnante de l'émission. Réservée dans la vie mais étincelante sur scène, la jeune femme a su convaincre le public au fil des semaines, et même les artistes, à commencer par Claudio Capeo, qui l'avait même invité à chanter sur la réédition de son album, une promesse qu'elle a tenue par la suite. Alors que les fans attendent avec impatience le premier album de la jeune femme de 23 ans, TF1 prépare activement la nouvelle saison, qui promet de grands changements. Après un retour de seulement 6 semaines, la prochaine édition sera beaucoup plus longue, puisque les élèves devraient cette fois rester 3 mois au château de Damarilelis. Quand la Star Academy sera-t-elle de retour? Aux commandes de l'émission, Nikos Aliagas sera bien évidemment toujours de la partie, lui qui a même pris la décision de quitter 50 Inside pour se concentrer sur la Star Academy et The Voice. Depuis 16 ans, je prends l'antenne à 17h50 et la rends à 1h du matin le samedi. C'est beaucoup. Je veux prendre du temps pour moi, pour me concentrer sur des enjeux autres et développer ce que je fais de plus en plus autour de la photo, avait-il expliqué à Pure Media. Ce mardi 27 juin, Pure Media a cette fois révélé la date officielle du grand retour de la Star Academy. Le samedi 4 novembre prochain à 21h10. Une date qui coïncide avec la fin de la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Et puisque la nouvelle saison sera plus longue que la précédente, certains élèves de la nouvelle promo devraient bel et bien passer les fêtes de Noël loin de leur famille.